tout ça vient. Est-ce que ça vous intéresse de savoir d'où on vient? Ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment ça existe, ça? Donc, comment ça existe? Comment ça réunit? Comment ça existe? Ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Bon. Alors, je vais vous dire deux ou trois trucs historiques d'abord. J'en ai préparé des quantités dans des livres, dans des textes. Là, je vais vous en dire deux ou trois. Puis après, je chanterai. A cappella. Je fais plus de performances, je suis trop vieux. Je fais des m'exposés. M apostrophe, des m'exposés. Mais d'abord, je vais vous lire ça. Un petit extrait. Un petit extrait tout petit. De la lourde sonate de Kurt Schwitters, 1927. Oh, bip, 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 bip. Oh, zin, 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 zin. Oh, reste que t'as. Dans les narines, et on arrive en 1947 avec mon compatriote marseillais Antonin Artaud. Radarta! Radarta bulle, ça bizarre! Radarta bulle! Ça t'arrume! À la bizarre! Radarta bulle! À la putain! Ramu, ta pute! Ta mou! À la mouine! Ramène ta même à la pine. Un, deux, rien, pam, 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 pam. Un, deux, trois, quatre, pique. Un, deux, trois, quatre, etc. Bassin, fram, fram, bam. Bertine, etc. Etc. Ah, encore un petit extrait. Alors là, on arrive dans la période contemporaine, la période des amis, Bernard Hetzig, son inarable Vadouze, juste la dernière séquence de Vadouze. Vadouze qu'il a fait à Vadouze, invité par Roberto Alman, qui vient de mourir. À toi Roberto, à toi Bernard. Tout autour des Japonais, tout autour de Vadouze, des Coréens du Sud. Tout autour, tout autour, tout autour, des Kamichagatana, tout autour de Vados, des oubliés, des zombies, il y a des apatrides, des réfugiés, il y a des exilés, il y a des inconnus, il y a des internés, il y a des perdus, il y a des déplacés, des paumés, il y a des laissés pour compte, des émigrés, tout autour de Vados, des fuyards, des désintégrés, il y a et bien d'autres, il y a et bien d'autres. 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 Il y a des. Voilà. Maintenant, c'est à moi.
C'est enchanté, je vous l'ai dit. Dans ce métier, tu n'as vu à longue vie. À longtemps serait une revue à longue vie. À longtemps serait être une revue à longue vie. À longtemps toi t'es une revue à longue vie. À longtemps est une revue à longue vie. Série 4, 76, 2, 5, 6, 77, 7, 8, 77, 9, 11, 77, 12, 14, 78, spécial postcard, 78. C'est 15, 18, 79. Destinataire Paris, 79. 25, 28, 80. 29, 33, 80. 27, 34, 80. 20, 35, 40, 81. 41, 45, 82. Oh ! Série 2, série 3, série 4. Soit tant de volume. Le suivant était presque achevé. Et le voici, ici fini, dans ce recensement. Avec François Massue, avec Xavier Dandois de Casabianca. Pour moi, Dox continue. Quel bonheur, quelle satisfaction. Peut-il mourir, Julo, maintenant? Oh oui! Oh oui! Dans l'espace de là à là. Un parcours. Un prisme au travers de, duquel on voit les choses. Quelque chose qui se profile à l'horizon. Le profil de l'avenir. Un dessin. Une silhouette. Une carte sur laquelle on trace des trajectoires. Des segments. Un visage qui donnerait une destination. En partant de là où l'on est, jusqu'à l'autre bout du trait, et qui dessine un profil peut-être, ou une forme géométrique, sans doute. Un parcours de là à là, sans pouvoir rester ici ou là, passage, glissement d'un endroit à un autre, perte d'équilibre et bascule, catapulté ailleurs, une fuite, un frisson. Dans l'espace. L'espace d'ici, depuis cet espace,
Ici, où on se regarde, se pense, s'immobilise et se déplace où on bouge, donc de là à là, d'un point A à un point B, comme on dit, l'espace plus nous. Nous, dans un espace donné, sans l'espace, ça ne se veut zéro, nada, nirtsrecheha, ni être rien. On s'inscrit donc dans l'espace, cet espace, à un point du segment qui nous relie aux choses. Entre deux points, d'un point A vers un point B, on va faire un bond. Un grand bond. On va tracer un grand segment du nord vers le sud. On va marcher sur une droite, suivre ce segment qui trace une direction dans l'espace. Ça va être l'immensité d'un frisson. Le grand frisson. Celui de parcourir l'espace. Le parcours était clair. Oh, 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 début, il y avait un plan. Plan, un jet de quelque chose. Non, au début, il n'y avait pas de projet, pas de plan, pas de suite logique, pas de numéro, de numérotation, 1, 2, 3, 4, 5, pas de continuité. Mais quand on a décidé d'être sur une feuille, est-ce que cela pouvait être considéré comme un plan? Quand on a entrelacé nos traits sur une feuille, mais est-ce qu'on a tracé des traits sur une feuille? Non. Ne serait-ce qu'un schéma, schéma, a dû faire un tableau, seulement tracer un trait d'un point A vers un point B, ou dessiner quelque chose? C'est le corps qui se déplace d'un plan A vers un plan B. Il y a différents points dans l'espace, il y a différents plans. Au début, il y avait juste le segment qui s'étend sur une partie donnée de l'espace ou sur une partie d'un espace donné. La trajectoire d'un point A vers un point B était précise, mais la forme du trait était-elle définie à l'avance? Était-elle droite ou courbe? Traçait-elle ou passait-elle par un autre point? Un segment entre ici et là. Mais pourquoi? Il y a bien un segment, des segments qui se superposent à d'autres, plus longs, plus courts, répétitifs. Il y a trois manières d'aller d'un point A vers un point B. Après vérification, aucune n'est totalement linéaire. Cela passe par un point intermédiaire, A, D, D, B, ou A, B, 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 ou A, C et C, B. Il y avait aussi des lignes courbes, ciselées, qui dessinent des sortes de sommets, ou plus arrondis, des baguettes et des pics. Parce que l'on se trouve toujours à un endroit du segment. Mais où est le point de bascule? Là où ça bute. Pas prévu. Paf! La bascule. Est-ce le point intermédiaire? Tout bascule. Comme une avalanche de choses, d'accumulation d'objets et d'images. À un point donné, tout se renverse, la courbe a donné du mou, et toutes les choses se sont précipitées à un endroit précis, ça a trop la ligne, ça a fait pencher la balance, la courbe ou les interstices, les points d'arrêt, les entre-deux, les silences, les ruptures, les crises, les trouées, les membres, les huttes, les... Toute une accumulation de choses qui pèsent sur la vie et... les larmes. Pourrait-on générer des courbes à la place des segments pour faire glisser les choses, les faire basculer, certaines choses à revoir, à vérifier, une vérification, un doute, on doit vérifier quelque chose. Tu vas de là à là, d'un point A à un point B, en courbe, en courbant la ligne, ou avec des points de rupture, des points de suspension, des arêtes, des pointillés, un point intermédiaire, espace. Nous, plus l'espace, des points collés dans l'espace.
trajectoire à venir. Trace des traces de nous. C'est nous qui traçons. C'est nous qui traçons les projets, les trajets, pas prévus d'avance, le parcours, les aléas, les à peu près, les alphabets temporaires, les allers-retours, les tours et retours, ça embobine. Les signes. On se fait des signes et des gestes et on trace sur une surface plane une trajectoire, un trait du reste, un trait trajet, d'un point A à un point B, sachant que ce trajet n'est pas complètement plat. Un trajet en volume qui nécessite un corps-cœur, un corps composé de trajectoires internes, des trajets en pointillés. Tu peux suivre ces trajectoires internes sur des schémas qui ne sont pas si précis que le dessin de ton intérieur, de ta pensée zigzag. Dans un paysage, tu préfères faire une boucle ou un aller-retour. Et puis à un moment donné, il y a une ouverture. Ça s'est passé juste après la coupure nette du mouvement entre les points A et B. Un plan se dessine, immense, en trois dimensions. Il vient se déposer en filigrane sur le réel, le doubler, le dédoubler, l'ouvrir. Deux fois dans l'espace. À l'aide de l'autre, de l'un à l'autre. Tu tires en segment une ligne entre ces deux points, qui finalement trace, dessine une forme étirée. Tu tires le trait étiré, tu l'as fait tendu vers, la ligne est dure, dense, elle tire, elle tend quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Ça ne se voit pas, c'est le magma de son épaisseur, sa densité, sa profondeur, noire tendue comme un temps en mouvement. Un mouvement clair et net et direct. Elle avance vers le point opposé, que ce qui s'oppose parfois, enfin opposé dans l'espace, à l'autre bout. Et c'est la main qui trace les doigts autour du crayon, feutre noir, n'importe les phalanges contre la bulbe des doigts, posée sur, qui tient l'objet entre trois doigts et sa trace de ce quelque chose qui bouge jusque-là, qui inscrit à un endroit donné le trait clair et net, comme un geste, le trait à main levée, la main qui tient clairement et fermement l'objet, crayon, feutre, n'importe, dans un mouvement sûr, franc, limpide et direct, trace la main, et le trait se confond. Et réalise le trait clair et net, enfin un trait tangible sur la feuille, et on perçoit quelque chose apparaît, on saisit cela, le trait se poursuit, on dirait une sorte d'horizon.
Thank you.
La route,
Whoa!
tout le règne de mon côté, à ton butin, ta tue, tout le monde. Bellerait des plus hommes si tu récultures pas chou. Récultures prétiques d'hommes, optations clés, traques de pas, c'est une petite continue, super récupéré.
Parce qu'à l'époque, il y avait PC, Mac, et il fallait, et c'était pas compatible. Donc, c'est moi qui finalement ai organisé la soirée parce que Philippe Bouche était à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, et Castellin était en Corse. Voilà, Philippe était en Corse. Donc, c'est moi qui ai organisé, et ça a été très compliqué avec les techniciens du centre bio. On oublie, on est en 97 aujourd'hui que ceci est facile. Mais à l'époque, c'était assez compliqué. Donc, une des caractéristiques du DOCS de Philippe Castellin, c'est qu'il y a toujours eu un CD-ROM ou un DVD, ou un DVD-ROM, ou un CD, etc. Donc, il y avait toujours un support numérique qui accompagnait la revue papier. Voilà. Alors, le problème du CD-ROM, c'est que ça marche avec des logiciels qui n'existent plus, enfin, qui ne fonctionnent plus sur les ordinateurs modernes. Donc, il se trouve que j'ai gardé un vieux G4, en fait j'en ai gardé deux, et G4 qui fonctionne avec macOS 9, et ce qui nous permet donc de visionner de ce CD-ROM historique de 1997. Voilà, donc je vais faire une présentation, petite sélection. La machine est lente. Voilà, donc ça se présentait comme ça. Aliadoc, CD-ROM. Donc vous aviez partie papier, donc archives. Vous avez vous voyez, vous avez l'édito. Mais évidemment, la partie qui est intéressante pour nous, c'est la partie animation. Voilà comment ça se présentait. Donc vous avez là l'ensemble. Je vais commencer évidemment par Akhenaton. Et je vais commencer par un gars. Voilà. Alors certains sont avec son. Donc l'Océanique, Stéphane Bérard, et la variation de Philippe Castellin. Évidemment. Donc moi je suis intervenu dans ce CD-ROM évidemment. Flash, Strange Alarm,
4.5+, IVER, Univers Appareil, Sensor Flash, Strange Alarm, 2.1E+, 4.5+, SAT, Univers Appareil, Sensor Flash, Strange Alarm, 4.1E+, 4.5D5, Univers Appareil, Sensor Flash, Strange Alarm, 4.1E+, 4.5E, Univers Appareil, Sensor Flash, Strange Alarm, 4.1E+, 4.5E, ZEOS, Univers Appareil, Sensor Flash, Strange Alarm, 4.1E+, 4.5E. Voilà, donc c'était une performance de poésie numérique dans le cadre de cette, au Centre Pompidou, dans le cadre de cette revue parlée. Alors, bizarrement, Castelin, à cette occasion, Philippe Castelin a fait une performance avec Jean Torregrossa avec des parpaings. Donc, j'ai dû demander, donc une performance classique, et j'ai dû demander donc au Centre Pompidou de fournir des parpaings pour la performance de Philippe. Alors, Augusto de Campos, qui est brésilien, donc à l'origine de la poésie concrète. Voilà, vous avez compris, city, cité, cidade, donc c'est à peu près le même mot en portugais, donc brésilien, en français et en anglais. Donc il y a, en fait, c'est un mot qui ne s'arrête jamais. Donc voilà. Bon, donc il y a une animation. Il y a d'abord le poème souvent typographique et puis ensuite son animation. Alors Pablo Giori, Ladislao Pablo Giori est un Argentin. Donc là, une petite citation. Alors, il appelle ça le virtual poetry, c'est-à-dire en fait, c'est de la poésie en 3D. Donc, j'insiste, donc c'était le premier CD-ROM de poésie numérique internationale. Le travail avait été préparé par Alire. Donc, de toute façon, c'est un numéro commun Alire Docs. Mais Alire, c'était des disquettes. Soit PC, soit Mac. Alors, Eduardo Cac, qui est originaire de Rio de Janeiro, mais d'originaire en avant, ses parents de Pologne, et qui vit maintenant aux États-Unis, à Chicago, et donc qui était important. Donc, vous voyez, c'est pour dire que ce mouvement est un mouvement vraiment international. Gilbert, Nard, danseur. Dentro, tudo é escuro. Desperto no pensar, e me vê o que vem do céu, resguardo o que não cabe.
que je cubra tudo que estiver longe, onde o céu é tão claro, claro, como se nada fosse o alvo, o alvo, abismo, aberto. L'intérêt, bon, il joue évidemment sur les deux langues, le portugais et puis l'anglais américain. Alors André Balias est aussi brésilien. Qui vient de paraître, et autour de ce travail, et aussi parce que donc, le générateur m'a invité l'année dernière, en mars, pour faire des performances. Mais voilà, quelques documents. Donc ça, c'était en 2018 au ZKM, Cachereau. J'ai beaucoup utilisé l'Atari. Et donc, ce que je lis là, c'est des sorties imprimantes qui sont très, très, très belles parce que c'est des imprimantes à aiguille. Donc les images changent, projet les textes changent, la typographie change, mais c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de solutions. Alors, ce qui change par rapport à ce qui se passait au 19e siècle avec la poésie typographique, puisque quand vous avez un texte typographique, vous avez évidemment un seul résultat, d'où l'obsession du style qu'on trouve notamment chez Flaubert dans la deuxième moitié du 19e siècle. Obsession du style parce que, effectivement, à partir du moment où le texte est imprimé, on ne peut plus y toucher. Voilà. Donc ce que permet l'ordinateur, c'est justement de
ce que j'appelle moi langage élargi, c'est-à-dire de traiter à la fois la typographie, mais c'est des images, la typographie, donc les images et le son. Alors, en fait, ce que je lis, c'est des bibliothèques, ce que j'appelle moi des bibliothèques, c'est-à-dire que je fournis, je suis contre l'idée d'intelligence artificielle. Évidemment, l'ordinateur, ça traite des data, c'est-à-dire des données, et donc je donne des données à l'ordinateur. Les données, ce sont des textes typographiques, ce sont des images, et ce sont des sons qui sont mis en boucle. Alors, par exemple, ce que vous venez de voir là tout de suite, c'est, bon, j'utilise évidemment un poème de Augusto de Campos, Portas de Ouvert, c'est-à-dire porte l'œil-oreille. Maria Viti, Chichiroli, Blaise Star, Wild Tutu, Afuana Warrior. Alors, ce que vous venez de voir là, par exemple, ce sont des Sao Paulo. Sao Paulo, c'est une ville très, très curieuse. Il y a des relais d'antennes un peu partout. Voilà, pour ce travail. Alors, je voudrais quand même vous montrer les photos. Alors, évidemment, la dernière chose, c'est ce livre qui vient de paraître. Aux éditions Presse-Urène, et qu'on trouve à la librairie du Flammarion en Bobo, et c'est sur la poésie numérique. Alors, pourquoi ce livre j'ai quand même mis 2 ans à le faire. Alors, et c'est sur la poésie numérique, c'est-à-dire que, bon, dans cette génération de poèmes numériques, on avait Thibaut Pape, on avait Philippe Castelin, on avait moi-même, on avait Jean-Pierre Balte, on avait Philippe Boutz, etc. Bon, comme vous le savez, Thibaut Pape est mort, donc Philippe Castelin aussi. Donc j'étais à peu près un des seuls à pouvoir le faire en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de pratique. Et de voilà. Et donc ce livre, pourquoi est-il important? Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de parutions, beaucoup de livres, j'en ai repéré à peu près 80, publiés par des universités américaines. Et aujourd'hui, bizarrement, ça a télescopé tout le fracas médiatique autour de ChatGPT. ChatGPT, donc, c'est de la génération de texte à l'ordinateur. Mais la génération de texte à l'ordinateur, elle existe depuis 80 ans. Et donc, ce livre fait un peu l'historique de cette génération de texte à l'ordinateur. Et par rapport aux publications américaines, elle parle des Européens, et pas Hollande, enfin différents pays, et Autriche, et évidemment France. Et donc c'est un livre véritablement international. Il parle aussi évidemment de l'Amérique latine avec Augusto Campos, Giori, Pablo Giori, etc. etc. Et d'où l'intérêt, je n'en connais pas d'autres. C'est-à-dire que bon, sur ce sujet, je n'en connais pas d'autres. Alors, ChatGPT, ce qui est un peu scandaleux, c'est qu'on fasse de la publicité pour un Mark Zuckerberg qui est un milliardaire. Et la publicité est gratuite. Alors que, moi j'ai une analyse très claire, bon, les publications sur le site internet, sur le site internet littéraire, moi j'appelle ça le cauchemar de Flaubert. Pourquoi ? Parce que, en fait, Flaubert, au XIXe siècle, devait obligatoirement utiliser la technologie ou technique de l'imprimerie. C'est-à-dire qu'on avait un seul résultat. Et évidemment, il fallait que ce résultat soit le plus parfait possible, d'où l'obsession du style chez Flaubert.
Le problème, c'est que, évidemment, une pensée figée est une pensée, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la pensée n'est jamais figée. La pensée elle est un peu comme les trépignes de Pollock, elle va dans tous les sens. Et donc, à la fin de sa vie, Flaubert fait quoi ? Bouvard et Pécuchet, un livre sur la bêtise et évidemment le dictionnaire des idées reçues. Et pour moi, ChatGPT, c'est le dictionnaire des idées reçues. Pourquoi ? Parce que ça traite, c'est le plus commun dénominateur de tout ce qu'on peut trouver dans les données qui nourrissent l'ordinateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le problème de créativité. Comment, avec un nouveau médium, on peut arriver à une certaine créativité. Alors, c'est ce que j'appelle l'élargissement du langage, c'est-à-dire utiliser l'image, le son, sans dire boucle. C'est de la sémantique. Le vrai problème pour ce que explique très bien Jean-Pierre Vann, le vrai problème pour l'ordinateur, c'est évidemment pas la grammaire. Il n'y a aucun problème pour la grammaire, contrairement à toutes les grammaires génératives de Chomsky et des autres. Mais c'est la sémantique. Je dis aussi que ChatGPT, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à un résultat parfait, et ça sera comme pour la voiture autonome. La voiture autonome, il y aura toujours. Il faut tout dire à l'ordinateur, il faut voir comment ça fonctionne, il faut tout lui dire. Donc, le langage est une chose trop complexe, et il faudrait des milliards d'occurrences, et il n'y aura jamais des milliards d'occurrences. Donc, un moment ou l'autre, ça sera comme pour la voiture de l'homme, une vieille dame qui sera écrasée sur un passage clouté, sur un passage qui est mal indiqué et pour lequel l'ordinateur n'a pas d'instruction. Très bon exemple. Voilà. Bon, merci. Voilà. Et je crois que j'ai terminé. Merci. Merci, Jean. Je cherche un premier mouvement. Je cherche une première sensation. Un premier événement à traverser. Un premier événement qui accepterait de me traverser. Je suis à la recherche d'une première position. Pas trop violente cette fois. Je ne veux pas que le public s'écœure encore. Je cherche quelques gestes susceptibles de dégager le terrain chorégraphique. Et quelques mots pour le chant sémantique. Je cherche aussi un bruit de craquement d'os qui indiquerait au spectateur, comme à moi, que quelque chose ici et maintenant se réveille. Je suis dans l'attente constante d'un de ces bruits qui permettrait de me réveiller, de me questionner, de voir jusqu'à quel corps je suis enfin portée. Je suis dans l'interstice, séparant un mouvement d'un autre, dans l'entretemps, la virgule, la reprise de souffle. Je suis entre l'emphase du démarrage et le soulagement de l'arrêt. Je suis coincée sur un intemporel plateau, entre une poussière et une autre, entre ce qui a précédé et ce qui suivra. Je suis coincée dans l'ici et maintenant. Je sais. Je vais commencer par la dernière position de la précédente pièce. Pour recommencer, refaire, reconstruire, puis déconstruire. Une position qui n'était pas la mienne, mais une idée incarnée, que je veux déconstruire, reconstruire avec vous. Je souhaite, cette fois, un rapport plus radical au sol, plus exhaustif même, une extrême torsion incarnée de mes idées, une recherche de boursouflure totalisée, une violence corporalisée, et que cette violence, pourquoi pas, devienne un événement traversant le spectateur. Comment être chorégraphié sur pattes ?
Comment être une question en mouvement, ce que nous sommes tous. Et même une série de questions mouvantes. Comment se répondre en se tordant. Comment se tordre les uns avec les autres. Les uns contre les autres. Les uns dans les autres. Les uns pour les autres. Je ne pense pas n'être que mouvement. Ou de ne naître que par le mouvement. Mais peut-être de naître et renaître dans le mouvement. Je suis une série de pansements conjointes à une série de mouvements. Je me cherche à l'intérieur et me trouve parfois près de mes intestins. Je recherche ma viscéralité dansée. Et je crois que c'est ce que nous devrions appeler improvisation. Mais ce n'est pas le cas. C'est ici que se situe le générateur de mouvements nouveaux. Que même le corps, que l'on voit de l'extérieur, je veux dire, ne connaît pas. Mais ce générateur est très souvent en panne. Comment activer le générateur, ici, maintenant, devant vous? Comment se laisser perdre? Comment se perdre? Comment vous perdre? Comment me perdre? Pour que tout se perde avec nous. Comment oublier tout ici, maintenant, enfin, encore? Le corps est le lieu d'une perdition. Le corps est le lieu d'une attente chaque jour nouveau. Le corps se sent chaque jour coincé dans l'une de ces salles d'attente, terriblement neutre et apathique d'une institution française, qui adore imprimer des papiers, les faire signer, les perdre, les réimprimer, les refaire signer, les déchirer pour les valider pour les déchirer, les paraffer, les multiplier, les classer, les perdre, les réimprimer, les paraffer, les multiplier, les consigner dans un dossier. Le corps a envie de prendre l'un de ses papiers et de se couper avec ses records, jusqu'au moment où la paraffe sera noyée dans le sang et que la personne institutionnalisée dit sur un ton neutre et apathique. Je vais en imprimer un nouvel exemplaire pour le paraffer. Le corps est une paraffe sans guillemets, mais une paraffe quand même. Donc une façon de se signifier au monde. Dire que nous y sommes passés, que nous avons signé quelque chose. Dire que notre corps a existé, qu'il s'est laissé traverser par des événements, même les plus sentis, même les plus doux, même les plus simples, et que rien de neutre ou d'apathique n'est arrivé. Pour ma part, j'ai photocopié 30 fois le texte sur la même page, jusqu'à saturation. Saturation textuelle et corporelle. Puis je l'ai porté entre mes genoux, et l'ai laissé tomber ici. Et maintenant, et sur ma gorge, une autre possibilité de danse. Ici et maintenant, un achèvement ou un inachèvement. Ici ou ailleurs, une extension. Une expansion. Et je veux que mon corps soit scannable pour que la danse ici s'expande, s'étende. Je veux que là, le spectateuriste tente de scanner ma gorge pour me voir en mouvement, ailleurs, dans un téléphone ou bien. Pendant que je m'immobilise ici. Ou cherche un geste total, signifiant, qui me correspondrait et que je parviendrai à figer. Mais dans le même temps, je veux que cette pièce soit pour la spectatrice une lecture de l'échec à y parvenir. Un échec qui a du sens, qui est chorégraphique. Comme les doigts qui s'activent en tentant de scanner le QR code sur ma gorge pour m'activer ailleurs. En marchant dans de mauvaises chaussures, j'ai massacré mes deux petits orteils qui portent désormais des blessures similaires qui ne les ravissent pas. Mon plaisir a été de les soigner. J'ai eu l'impression d'être un infirmier pour eux, en les recouvrant régulièrement de cicatrices puis de pansements. Mais c'est comme si les douleurs lancinantes qu'ils m'envoyaient étaient des signes nouveaux d'avancement ici et là, pour extirper de mes pieds des torsions nouvelles,
pour se tordre dans le sens inverse. Les blessures ont radicalement changé la physionomie de mes orteils qui se sont vus entachés de nouvelles couleurs étranges, comme un hématome qui passe du bleu au noir, au vert, au jaune en quelques jours. Je crois que les hématomes et même certaines blessures sont des intermittents du spectacle du corps humain, qui tentent et expérimentent des événements internes, intériorisés, et même des intermittents un peu anarchistes qui foutent le bordel dans les corps institutions qui les emprisonnent, en envoyant des messages menaçants sous forme de couleurs sur la peau. D'ailleurs, je crois que nous sommes à chaque fois tous étonnés de la propension des meubles à nous cogner pile à l'endroit de blessures récentes, pour les amplifier sûrement. Et je jurerais qu'hier, lorsque mon rebord de fenêtre est venu défoncer davantage mon orteil droit, je l'ai entendu rigoler. Mais pas moi. Aujourd'hui, je suis heureux de savoir que mon spectacle provoque probablement des pénuries de pansements à chaque représentation. Cela me ravit de savoir que des enfants ne pourront pas se faire recouvrir leurs plaies par leurs parents soucieux et pourront ainsi jouer avec leur croûte, découvrir l'envers de leur corps, découvrir que mon costume, mon décor, n'est pas ici et maintenant sur moi avec ses pansements, mais sur eux, avec leur sang, leur croûte, leur jeu cradingue. Je veux me sentir comme un genou écorché, taché de mercurochrome et de terre. Je veux me sentir comme une blessure que nous nous amusons à faire saigner pour comprendre l'envers du corps. Je veux être l'étonnement de l'enfant face à sa plaie qui mute en permanence. Continue. Arrête. Car je crois que c'est cela, désormais, la danse. Une plaie qui soigne, qui s'infecte, qui change de couleur, qui se referme, qui cicatrise, qui disparaît. Quelles odeurs sens-tu ? Bonne ou mauvaise ? Continue. Arrête. Où as-tu mal encore ? Continue. Arrête. Le public croit que tu t'es fait mal, car il a entendu un fracas tout à l'heure. Continue. Arrête. Souffre un peu pour voir. Continue. Arrête. Je crois que le public trouve que tu te tords un peu trop. Continue. Arrête. Un gamin dans le public a dit que tu ressemblais à un reptile. Continue. Arrête. Veux-tu que je le mette au coin ? Continue. Arrête. Sur le plateau, je veux dire. Pas loin de toi. Ou qu'il se torde aussi. Se blesse un genou. Et ne puisse mettre un pansement sur sa plaie, afin qu'il puisse jouer avec sa croûte sur scène avec toi. Continue. Arrête. Dis quelque chose. Les pansements cachent les mots, l'en-deçà de l'humain, les phrases absolues, épidermiques, les lacunes, les failles, les enfers de nos bibliothèques corporelles, les points de suspension, l'etc. La suite, l'impossible, la tumultueuse lecture des envers de nos corps, le cycle, le revers de nos quotidiens harassants, désordonnés, désagréables, le familisme terrible de nos ambitions. Les pansements cachent aussi nos éraflures, du fait de frôler en permanence les mots. Ils cachent les cicatrices que nous ne souhaitons pas présenter au monde. Que nous voulons garder pour nous, tendrement, secrètement. Ces phrasements sont les biopsies du réel textuel. Les arrachés révèlent certaines vérités une à une. Ainsi, pensez les coagulations douloureuses du réel qui s'inscrit dans nos corps par l'épiderme. Pensez la douloureuse épidermique du réel famélique funeste, furieux. Pensez le réel et le transformer en phrasement. En morceaux de phrases qui disent cette coagulation douloureuse du réel jusqu'à l'épiderme fragile et son significatif arrachement de poils. Sur chaque pansement, l'une de ces phrases qui relate cette absolue douleur de corps suintant de poils. Le réel, c'est une croûte que l'on arrache. À chaque pansement arraché, une histoire nouvelle prête à être corporellement racontée. Une réalité corporelle se déploie à chaque pansement retiré. J'aimerais me dire un jour que je suis allée trop loin dans le monde, que je suis enfin rentrée dans l'enfer de ma bibliothèque corporelle. Il faut encore gratter du corps, encore gratter du texte.
Les meilleurs textes se trouvent sous les amphis. Les meilleures danses se trouvent sous la forêt. Il faut d'abord écrire un ensemble complexe de phrases précises et fluides, impliquant une logique du mouvement, c'est-à-dire une continuité permettant de passer d'un mouvement A à un mouvement Z, sans omettre ne serait-ce qu'une seule lettre de l'alphabet. Ensuite, le danseur peut laisser sa sueur prendre le relais quelque peu et chorégraphier ses perles sur son front. Alors, comme une phrase impossible à corriger, inutile de l'essuyer, la page ou le sol s'en chargera, et le lecteur ou le spectateur appréciera davantage. Ensuite, vient le temps de l'improvisation courte, sorte d'écriture automatique explorant l'inconscient gestique, puis la proprioception, qui est une dimension méta du texte, et donc une méta-chorégraphie, qui donne à entreapercevoir ce que pourrait ou aurait pu être la chorégraphie. Généralement, c'est là que le spectateur s'emmerde, et là où le lecteur tourne les pages. Mais ces quelques lignes sont importantes, notamment pour la reprise du souffle. Elles renseignent aussi sur cet ailleurs de la danse, sur ce qui ne peut être incarné mais seulement rêvé, fantasmé. Tout ceci relève d'une quête de l'absolu, liant l'impossible à l'insoluble, celle d'une expansion de la forme ou d'une recherche de nouvelles formes, tant par le corps que par le texte. Mais c'est souvent autre chose qui gagne. La douleur, la physique, la loi de l'ici et du maintenant, le regard perturbant du spectateur, la cage dans laquelle on s'enferme volontairement quand on s'expose prétentieusement sur un plateau, quel qu'il soit. Il y a parfois de l'absolu dans quelques mots transpirants et dans quelques mouvements suintants, mais il faut poursuivre la quête pour qu'il y ait encore création. Et ainsi la maladresse est entièrement chorégraphique. Méta-chorégraphique. C'est une écriture et une voix possible. L'obsession du beau geste n'existe plus. Il en faut aussi des salles dans la phrase corporelle, comme dans la phrase textuelle, comme des néologismes, glossolalies, ou tout simplement insultes de premier choix. Une chorégraphie se doit désormais d'être jalonnée de mots gestes crus, de torsions du langage corps. Un mouvement se déploie comme une phrase blessée, couverte d'ecchymoses narratives, de griffures, de boursouflures syntagmatiques. Ce qui a été déployé sur ce plateau, c'est un ensemble fragmenté, composite, et non une narration incarnée, bien sûr jalonnée de maladresse et de torsions charnelles. La chorégraphie, c'est ce qu'il reste de tout cela une fois que le déploiement a cessé. C'est l'après-mouvement. C'est l'appréciation de celui qui a le plus raté, du plus tendu, du plus informel ou du plus inventant. Un mouvement, à son arrivée dans le corps, doit lui poser la question de sa nouveauté. Et la métachorégraphie est peut-être enfin trouvée. C'est cette splendide constellation de poussière flottante. Avant, après et même pendant. C'est ce qu'il se passe quand il ne se passe encore plus rien. Bravo! Manifeste à la brosse pour une chute de cheveux consciente. Chers congénères du poil sur les cailloux, citoyennes, citoyens à crinière responsable, nos cheveux chutent dans le silence et l'indifférence. Nos cheveux chutent ici même sur le parterre du générateur de gentilly. Nos cheveux chutent par ailleurs dans nos ponchos, dans nos draps housses, dans un wagon de tram. Nos cheveux chutent partout, à toute heure, sans prévenir ni le barbier, ni la voisine, ni le casque de vélo.
Les chiffres sont là. Nos titres nous lâchent en évasion massive. Pour les puissants d'entre nos cuirs, 50 à 100 cheveux défunts par jour. Pire en automne, et au printemps nous les garnissons nos crânes. Sans état d'âme, planqués, vous libérez tes mains au point mousse depuis les tutoriels télématiques. Rien que la semaine passée, ce sont par individu quelques 324 cheveux chuchés, la tante Cécile entre deux tasses, le télécarnaval et tout pire météo ornithorin. 455 cheveux chus sur la ligne 3 du métro en va-et-vient, debout en dehors des heures de pointe. 176 cheveux chus en somme dans le lit. 893 cheveux chus la nuit à la pêche aux réseaux sociaux. 3277 cheveux chus dans les couloirs de l'hôpital. Oui, je précise que ce sont les chiffres pour un agent hospitalier et non pour un patient habité. Ce sont autant de cheveux chus au second plan de nos existences, qui nécrosent les pattes et les pigeons, qui chavirent dans les bouches de loups, des ramasses brouillées, des brosses en fer, des gardes de boue, des peignes à coups, des pâtés parés sur la vitrine. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'acuité de doute et de réflexion profonde induit à une surchauffe des glandes sébacées. Plus vous pensez, et plus le cuir chevelu s'emballe, s'enflamme et consume vos racines. Depuis ce petit nuage de fumée au-dessus de vos oreilles, tomberait asphyxié le cheveu. Onifocide ! Onifocide ! Combien de cheveux chus, égarés, abandonnés à leur détachement. Ici, au salon de Couf, moins de lettres pour plus d'écologie, on donne une seconde vie à vos mèches chus et à vos défunts stiffs. En étant plus attentif à vos chutes de cheveux, vous collectez de frange à frange pour le futur, en réemployant à bon escient vos falaires et queues de rat. Vous faites un geste pour le commun des crinières et des crânes dégarnis. Ici, au salon du Couf, nous vous proposons des alternatives au déni du départ impromptu de la tignasse au postiche. Nous vous proposons un accompagnement personnalisé vers une seconde vie offerte à vos cheveux, ainsi que des formules cadeaux et bons folliculeux pour faire plaisir à un être cher. Parce que nous croyons ferme au réemploi de tout matériau organique et que l'écologie des productions épidermiques apparentes est notre dada. De nombreux individus coiffus et perruqueux, de touffes comme de mélicouettes, nous ont fait confiance. Nous ont exposé leur rêve de récidive chevelu et ont dû mentionner le protocole de ramassage pendant des mois pour y parvenir. Ce que nous vous proposons, des transformations utiles, écologiques, fonctionnelles, esthétiques, de nouveaux usages des nattes, soies, bananes, fourches, bouclettes et pitourues. À présent, quelques exemples de réemploi responsable des cheveux glanés pour mort des clients qui nous ont fait confiance. Daniela, nous avait fait commande d'un pullover en 13 épis pour l'hiver. Nous laissons un commentaire entre parenthèses, je cite, « Smile et rire, un lire à 22 degrés à l'angle X des smile et rire, lol, NDR. » Nous l'avons fait. Lola, nous avait fait commande d'une parka des perlandes avec capuche révertie contre petit pékinois du Jason Francis. Nous l'avons fait. Fred, nous avait fait commande d'une cartouche de gauloise blonde. D'ailleurs, Fred nous a laissé un petit SMS juste cet après-midi. Je fume, de mèche avec moi-même, je me consume enfin de manière sensée avec mes clubs. Nous l'avons fait. Omar, nous avait fait commande d'un panier garni de gambas. Nous l'avons fait. Rani, nous avait fait commande d'un VTC de pneus neige et de deux genouillères. Nous l'avons fait. Séverine, nous avait fait commande d'un ouvrage sur les gaufriers mécaniques de l'ancienne époque. Nous l'avons fait. Manel nous avait fait commande d'un bidet en cristal incrusté de bas-reliefs inspiré des masques égyptiens. Nous l'avons fait. Louis-Marie nous avait fait commande d'une éponge frontale à récurer des plafonds des cagibis. Nous l'avons fait. Karima nous avait fait commande d'une thèse de doctorat en médecine par les Rubicutes. Nous l'avons fait. Notre dernière pièce expérimentale en cours nous a été commandée par SNG, qui nous a transmis son témoignage.
J'ai besoin d'avoir le plan de Paris dans la tête car je me perds tout le temps, ce qui impacte négativement ma qualité de vie. Par ailleurs, je perds beaucoup de cheveux. J'ai commencé le protocole de récolte il y a 7 ans. C'est avec le bocal que je vous ai envoyé en connaissimo. Merci si vous pouvez m'aider à concrétiser mon projet. Il s'agit en effet de concevoir un greffon cartographique in situ sur tête, soit une première pour le salon Le Couffre. Nous confectionnerons une installation capillaire par extension capitale, intitulée, avec l'accord de la bénéficiaire, Paris Go Big Goody. Le principe de structuration de la pièce est le suivant. Greffer les différents trajets qu'effectue la cliente via des captures d'itinéraires Google Maps transposées sur disquette étiquetées en mode GPS Mesh qui communiqueront directement avec le véhicule pileux de SNG. En escomptant une kératinisation progressive des informations géolocalisées par SNG via ses balises embranchées à l'aide de bigoudis, barrettes, pinces, chouchous, etc. Nous nous réjouissons de vous voir si nombreux et nombreuses ce soir pour assister à la concrétisation de cet ultime accessoire capillaire. Au salon des couffes en mode baratif, tes fanères en présent dans ta gibecière. Grâce à toi, le réemploi des cheveux est effectif. Ici, on ne coiffe pas que des caniches. Capiche, toutes les queues de rat, les pointes fourchues, un petit chignon laqué, une queue de cheval, pour les bras sans crinière d'or, quelques cheveux blancs. Oh!
Anyway, whatever.
Thank you.